Donc comme vous le voyez, vous avez 5 tables qui sont, chacune des tables en fait est représentée par une petite icône sur un drapeau et puis par une couleur. Cet après-midi, on a eu une manifestation à la Fonderie, dans une salle municipale d'Hérouville-Saint-Clair, qui était organisée sous forme de table ronde avec une dizaine ou une quinzaine d'enfants autour des 5 thématiques choisies pour animer cet après-midi. Et le tout avec des responsables de table, si j'ose dire, qui portaient des chapeaux de couleur selon les 5 thématiques. Alors le format a été innovant parce que nous avons décidé pour cette année de faire participer les enfants et les jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent apporter leurs idées sur des actions à mener sur notre territoire hérouvillais. Pour moi, la cité éducative, c'est l'enfant, le partage, la culture. J'ai appris encore de nos jeunes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils prennent la parole assez facilement et qu'ils ont un avis sur la question. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé que cet après-midi était très intéressant, vraiment instructif, sur la façon aussi dont on réfléchit et comment est-ce qu'on peut voir des projets, des nouveautés pour nous améliorer en tant que personne aussi, dans l'établissement où on est. Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit pour définir la cité éducative, c'est l'épanouissement des enfants. Le deuxième mot, c'est l'ambition des enfants. Et le troisième mot, c'est la parentalité, parce que malgré toutes les actions qui sont menées par l'éducation nationale, par les associations, par nous, la ville, et tous les acteurs de façon générale, ce qui compte avant tout pour qu'un enfant s'épanouisse, c'est bien d'être accompagné affectivement par ses parents, c'est la première chose.